Salut à tous, c'est Nefra. Aujourd'hui, on va jouer à Ori and the Blind Forest, un jeu qui est édité par Microsoft Studios, développé par Moon Studios et dont la magnifique musique a été composée par Gareth Cocker. Donc je vais essayer de pas trop parler non plus pendant ce petit let's play parce que les musiques, pour ma part, font que le jeu est vraiment très immersif, on se prend dedans et la musique a une grande part dans le côté onirique du jeu. Et vous voyez que visuellement, enfin moi je suis accro, j'adore ça. J'avais déjà dit la même chose à l'époque, même si j'ai pas encore mis la vidéo, pour Ni no Kuni. Et je suis à fond dedans. D'ailleurs, on sent comme une petite patte Ghibli dans les graphismes. Alors, je me suis pas renseigné sur s'il y avait une implication directe des studios Ghibli dedans, mais ça ne m'étonnerait pas, hein, parce que on ressent beaucoup le côté Princesse Mononoke. Donc, ouais, là, hein, c'est moi qui joue, hein, c'est... C'est pas une cinématique, c'est bien moi qui me fais avancer le petit bonhomme. Hop. Ouais, c'est bien classe, hein, quand même. Par contre, si c'est comme je pense pour les trailers et que on voit ce qui s'est passé dans les bandes annonces incessamment sous peu, je pense que je vais commencer à préparer les mouchoirs. Oh la vache! Ah, donc là on voit qu'il y a des croix sur tous les arbres. Apparemment, il n'y a plus de bouffe par là. Ah, par contre, il saute pas haut, hein, le bonhomme. Un petit ralentissement là. J'espère que c'est pas trop souvent parce que sinon ça va me gâcher un petit peu le plaisir. Ah ouais, mais bon, voilà. Il y a à bouffer un petit peu plus loin. Donc est-ce qu'on va avoir une petite fa... Ah bah non. Je pensais qu'on aurait une petite phase tuto pour apprendre à jouer, ramener des bouts de bois pour le pont, mais non, ça se fait tout seul. Putain, ouais, les couleurs sont magnifiques. Franchement, je suis bluffé, je pensais pas qu'en 2015, un jeu en 2D pourrait me mettre sur le cul comme ça. Ça m'avait fait déjà ça, faut dire, pour Train. Mais là, je crois qu'on est au-delà de Train, hein. Enfin, ce n'est qu'un avis personnel, hein, ça n'engage que moi. Donc apparemment, là, je ramène à bouffer dans mon coin. Quand j'arrive pas bien à savoir c'est qui parle... Ah, c'est l'arbre au fond, en fait, non? Ouais, ça se trouve, c'est l'arbre qui parle. Ah, il y a du danger. Putain, ouais, la musique, c'est juste génial. Ah ouais, tout a fané apparemment. Regardez les plantes, elles sont toutes cramées. Ouais, c'est ça. Tout a été cramé. Il venait juste de retrouver à bouffer. Tu vas voir qu'il n'y a plus rien. Bah non, celui-là, tu l'avais déjà marqué. Donc là, par contre, c'est pas moi qui joue. Hein. C'est style une cinématique. Et il n'y a même plus de flotte. Ouais, donc à mon avis, on va préparer les mouchoirs parce que...
Ah, il reste un petit peu de bouffe en haut de l'arbre, mais il est trop lourd et il n'a pas la force. Ouais, bah ça c'est typique. Puis le héros, le petit bonhomme, là, Ori, est vraiment so cute. Ah, ça y est, il a réussi à avoir de la bouffe quand même. Bon, tout n'est peut-être pas perdu. Ah, à moins que... Ouais, ça pue. Hein. Le coup des souvenirs comme ça. Eh ben, je sais pas vous, mais une petite boule dans la gorge quand même, hein. Donc je pense que là, ça va commencer réellement. Ori a dû se faire à l'idée. Et donc, il va partir. Alors, ah ouf, il a pas l'air d'aller bien. Ou non, on avance à 2 à l'heure. Non, mais même les bruitages, tout ce qui est pas et tout, craquement de branches, c'est hyper bien fait. Enfin, personnellement, en fait, je retranscris le jeu sur mon PC, ce qui me permet d'utiliser un son en 7 points via un casque, et ça rend hyper bien. Ah ouais, non, franchement, j'ai rien à dire que ce soit sur la DA ou sur les musiques, le son en général, c'est bluffant. Franchement, c'est génial. Comme mon avis, l'aventure commence ici. Voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo d'intro. On se retrouve bientôt pour une vidéo essentiellement basée, j'espère, sur du gameplay. Mais à mon avis, on va être servi, hein, parce que j'ai vu certains tests américains. Apparemment, même le gameplay est aux petits oignons. Donc, ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si jamais vous voulez suivre la suite, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant de quand les vidéos seront en ligne. Si vous avez encore plus aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, hein, ça coûte rien. Et de laisser des commentaires qui puissent être critique ou pas, mais tant que c'est constructif, hein, il n'y a pas de souci, laissez des coms, moi ça peut me permettre de m'améliorer.
Allez, à bientôt, salut!